Salut tout le monde, c'est Superflu, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur GTR en live. Du coup sur PS3 pour le moment, je vais essayer de me prendre une carte pour jouer à Xbox One, vous inquiétez pas, je fais ça au très vite. Donc on se retrouve pour une vidéo qui je suis. Donc ça fait un peu longtemps que j'ai fait cette vidéo, donc on est au numéro 13 déjà. Donc pour les personnes qui connaissent pas, en fait je m'habille comme certains youtubeurs, des youtubeurs qu'ils ont joué à GTA, comme j'ai fait Monsieur Kochi, Baisanka, Nixu, comment s'appelle, Lushkai ou Super Connard, voilà, j'ai pas tous les noms parce qu'il y en a pas mal, donc 12. Donc on est déjà à la 13 si je me trompe pas. De toute façon, si je me suis trompé, je mettrai un petit mot, vous inquiétez pas, comme d'habitude. Donc on va aller direction les vêtements pour s'habiller, bien sûr. Alors, vous me l'avez demandé sur une vidéo, donc je le fais. Donc, j'espère que vous allez trouver. C'est un bon youtubeur. Je vais pas vous donner des indices parce que voilà, sinon ça va être trop facile. Donc, vous inquiétez pas si il y a des moments de pause ou que je cherche un truc comme ça, parce qu'il faut trouver la tenue, faut bien regarder à quoi ça ressemble et tout. C'est pas si facile, donc je cherche un peu tout. Voilà. Donc je crois que c'est un manteau en cuir qu'il a. Donc, dans sa dernière vidéo que je regarde, que je viens de regarder, voilà, c'est celui-là. On va aller dans les pantalons. Après, si vous allez trouver, j'espère vous. Je vous donnerai juste un indice à la fin. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donnerai un petit indice. Mais vraiment un tout petit. Juste pour bien que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Mais du coup voilà, si vous avez d'autres personnages à me proposer, dites moi le d'autres youtubeurs à me proposer, allez-y. Sinon j'en ai d'autres à faire, mais pas des youtubeurs, soit des personnages connus ou à ressembler, je sais pas, par exemple à ressembler à un médecin ou les trucs comme ça. Je pourrais le faire à la suite, mais dans un autre épisode. Des tenues différentes comme j'ai fait sur les tenues militaires et tout, donc je ferai ça à la suite, vous inquiétez pas. J'ai des petits projets sur des vidéos GTA Xbox One. Donc le pantalon, je suis pas sûr que c'est celui-là. Bien sûr, il a des cheveux. On va aller au salon coiffeur après. Les pompes, je sais pas c'est quoi, je crois que c'est des baskets parce qu'on voit pas trop quand on fait une vidéo, quand tu fais pause et tout, tu vois pas trop. Donc c'est pas si facile, bien sûr. J'essaie de ressembler un maximum. La dernière vidéo que vous avez trouvé, c'était Voka. Vous l'avez pas trouvé, donc voilà. J'espère celui-là que vous allez trouver. Donc, juste pour information, qui je suis, on est bien le numéro 13. Donc, du coup, c'est moi qui ai eu. Je m'en rappelle plus, mais vous inquiétez pas. Je vous mettrai ça au début de la vidéo parce que je vous ai dit qu'on était au 12, mais non, on est au 13 déjà. Donc, ça fait super plaisir que cette série marche, cet épisode. Donc, voilà. Quand je vous disais la vidéo précédente, vous n'avez pas trouvé c'était qui. J'avais un t-shirt rouge avec un bonnet blanc, si je me souviens. Voka, bien sûr, mais vous n'avez pas trouvé. Après, c'est des choses qui arrivent, on peut pas tout trouver non plus. Donc là, j'espère que vous avez trouvé. Je vous donne juste un petit indice après, quand on va aller direction son coiffure. Bien sûr, pas pour l'instant, parce que sinon ça va être trop simple. Vous allez dire, ah, j'ai trouvé. Donc faut regarder la vidéo jusqu'à la fin, bien sûr. Parce que sinon c'est trop simple, donc on va aller tranquillement aller se faire pousser des cheveux et se faire pousser la barbe. Et donc du coup là, ça change vraiment quand je fais des retours sur PS3. Et voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu aussi. Je voulais savoir si ça vous a plu les vidéos sur Assassin's Creed et le jeu de hockey. Parce que je veux savoir des retours s'il vous plaît, sinon je fais d'autres vidéos dessus. Ok, du coup, on est arrivé. Excuse-moi, mon petit, je t'ai pas vu. Je t'ai pas vu, vraiment. Désolé. Donc, on va se faire pousser les cheveux. S'il vous plaît, madame, fais-moi pousser les cheveux. Voilà, je ne sais pas c'est quoi comme cheveux qu'il a, parce que c'est vraiment pas facile. Enfin, pareil, mais je pense que je vais trouver, bien sûr. C'est le but de la vidéo, hein, de trouver. Je sais plus si ceux-là, ça les ressemble un peu, pas trop, mais bon. C'est pas facile, mais bon. Non, c'est pas ça. Non, non. Ah, je regarde un peu tout parce que je me rappelle pas. Ah,
Je sais pas si c'est ça. Tac, 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 tac. Donc en fait, si vous connaissez le youtubeur, hein, vous pouvez en parler sur les vidéos. Moi, je le identifie après. Donc, la vidéo va être publiée sur Twitter comme j'ai fait à d'autres youtubeurs. Après, si vous connaissez, vous pouvez faire, il y a un youtubeur qui t'a fait en vidéo, regarde. Enfin, si vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne secondaire, donc que vous est dans la description. Donc la Superflow Officielle chaîne communautaire. Si vous avez des vidéos que vos vidéos que vous voulez qu'on voie sur la chaîne, bah allez dans la description. Vous avez la page Facebook où vous envoyez tout. La Superflow Officielle chaîne communautaire. Et vous m'envoyez le lien de votre vidéo en commentaire. Non en privé, mais en commentaire. Avec le lien de votre page Facebook. Twitter si vous avez et tout et comme ça par moi et la vidéo et comme ça je la mettrai sur la chaîne donc on a déjà arrivé à avoir une vingtaine d'abonnés, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on est ressorti. Non, la barbe je l'ai pas fait, excusez-moi madame, tu peux me couper la barbe, j'ai oublié la barbe, en fait je parle de trop mais j'oublie la barbe, oui c'est celle-là. Tu demandes la barbe, on dirait qu'elle te coupe les cheveux. La meuf elle a tout coupé. Non, je suis en train de couper la barbe. Donc, juste pour petit indice, parce que après je voulais vous laisser sur les images. Juste petit indice, quand il fait des vidéos sur. Comment ça s'appelle? Ça va me revenir. Je sais pas quand, mais ça va me revenir. Il fait des facecam et il porte un bonnet sur ses facecam. Et je vous dis pas plus. Après, à vous de trouver. J'ai une autre indice, mais sinon vous allez trouver facilement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un petit commentaire. Trouver d'autres noms de youtubeurs si vous voulez, d'autres vidéos vous voulez voir. Et moi je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Et moi je vous laisse sur les images. Allez, salut!